tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Ils sont là. Amicia, tous ces gens, c'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. C'est pour ça que t'es là. Tout ça sera bientôt fini, Hugo. Les rats ne laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous, on est trois humains, malins et forts. Je sais pas. Dis-moi vers quel brasier tu veux aller. Je dégagerai un chemin. Viens, tu peux lâcher. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut retrouver une... Oh là là, quelqu'un qui a été dévoré. À nouveau les collectibles. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Alors... Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. C'est vrai que du coup, en termes de collectibles, on n'a plus grand-chose réellement à... à ramasser, hein. J'y vais. Alors, on a quelque chose. Donc attends. Attendez voir. Donc là, il y a une botte de foin. Le prochain feu, il est là-bas. Il n'y a pas la porte à côté. Et en plus de ça, j'ai plus de flèches. Et j'ai pas de couteau non plus. Magnifique! Mais il y a quelque chose par là? Est-ce que je le prends au cas où? Parce que moi j'ai peur que si je vais là-bas, en fait, je puisse pas revenir. Là, c'est trop loin. Ouais, donc je suis obligée de prendre ça. Ok. On y va. Voilà. Ah. Un coffre par là. Donc là on est vers... Ah bah on est vers les moulins. Ouais.
trop loin là. Attends voir. Donc là, il n'y a pas de petit bout de bois. Je peux pas en ramener deux. Donc il va falloir que je... si je peux mettre ça par là. Attends. Ah, c'est pas du feu ça. Attends, c'est pas du foin ça. Allez, go. Voilà. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Ce chariot. Oui, ça nous protégera. Il y a quelque chose sur le sol. Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger. Ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. Tenez-vous prêt. Restons à proximité. Moins une. Alors, moi, j'essaie de comprendre pourquoi, moi, ça me bloque d'ici là, à moins que on reprenne le chemin. Ah, attends, voir. Je suis toujours nulle en conduite, hein. Voilà. La carte. Le porteur. C'est lui la clé. Mais tout est si vieux ici. Il est mort il y a longtemps.
Il restera forcément quelque chose pour te sauver. Je m'en fiche de moi. Ne dis pas ça. Tu es tout. Hé, hey, vous allez arrêter de vous torturer l'esprit tous les deux. Oui, on est en enfer, mais on a une piste. Alors on reste soudés et on va jusqu'au bout. Elle a raison, Hugo. C'est tout ce qui nous reste. Je sais. Et je suis sûre qu'il y aura des survivants. Leur palais, c'est une vraie forteresse. C'est vrai. C'est le devoir du comte d'offrir refuge à ce peuple. Oui. Lui, c'est un vrai chevalier. Ok, là, il y a un... Ouh ! Non, 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 non. Là, il y a un feu de paille... Non. Un feu de paille par là. Hourée ! Hourée ! Wouh ! On a couru. Petite torche par là. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. À chaque fois, j'ai envie de chanter Voix sur ton chemin. Hein. Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention. Ah bon. Ah bon, ça va. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Oh yeah. Là-haut. C'est là. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. Hein ? Monte ! Allez ! Allez, grimpe ! C'est compris. Allez, allez, on y va ! On y est. Parce que je commence à en avoir marre des rats. Quand je pense que c'était juste sous notre nez. Alors, Basilius, où es-tu ? Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux ? Sous terre. Oui. Il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. On va la briser. J'ai l'impression. Et pardon, mais on la brise comment ? Dire que cette île, c'était juste un point sur une carte pour moi. En y repensant, nous, on ne savait même pas qu'elle existait. Attends, moi je veux bien briser, mais je brise avec quoi ? Parce que là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il me semble ne rien avoir. Il faut que je balance un pot. J'ai déjà tellement pas de peau. Attends. Comment tu ferais pour briser ça? Je vais essayer de balancer un pot. Hein. Voilà, ça fait rien. Je balance un pot pour rien. Est-ce qu'il y a un truc par là ? Non, il n'y a rien. Hein. Qu'est-ce qui serait suffisamment lourd dans mon matos ? À part ils foutent le feu, non. Ça non plus. De la poix, non. Un pot d'odorus non plus. Peut-être un lancer de pierre, peut-être. Ouais, ça fait rien du tout. Pira pira. C'est
Laissez-moi réfléchir. Mis à part un poteau pour casser ça, moi je vois pas autre chose. Là y a rien. Avec celui-là on peut pas. Passer par là, on va regarder. Hein. Monte. Là ça brille. Merci. On peut rien faire. Ah! Ah! Est-ce que tu peux te pousser? Reste là, d'accord? Prête. Pousse! Kaboum! Bien fou. Pauvre carte. Oui, c'est dommage parce qu'elle était très vieille. Allez, viens. Oh là 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 là. Mais que va-t-il se passer? Une galerie. Ils l'ont condamné. Mais pour quelle raison? Allons voir. Pardon? Non, il fait trop noir. Non. On y est. Viens. Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière, et elle disparaît. Descends, ça va aller. Regardez, Mazette. Ça mène quelque part. C'est ici. Je le sens. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Me lâche pas la main. Bien sûr que non. T'inquiète pas. Alors là, il n'y a rien à prendre. Parce qu'on va toujours essayer d'avoir les collectibles, hein, je le rappelle. Il y a un coffre. Ah, je peux rien fabriquer. Ok. Attendez, il se passe quelque chose. Oh pitié, il non. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Wow. Bonté divine. Ah ouais. C'est la taille de cet endroit. C'est quoi ça? Une espèce de temple. On dirait, oui. C'est trop beau. C'est glauque, mais c'est trop beau. Il répète toujours, hein. Bon, je crois pas qu'il y ait des plumes dans les sous-sols, mais... Sur le sol, regardez. C'est encore le symbole de l'ordre. Oui. C'est bien ici. Basilius est là. Quelque part. Alors... Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? Il y avait quelque chose dedans. Ça a disparu depuis longtemps. Continuons. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Pas du tout. Un petit coffre. Bon, voilà des fragments. Et là, il n'y a rien. Regardez cette porte. Quel chaos. Que s'est-il passé ici? Ces traces, il y a eu une explosion ici.
C'était un accident? Je dirais qu'on les a faites sauter. Oui, quelqu'un voulait vraiment rentrer. Allons voir le reste. Attends, j'explore d'abord. Bon, y a rien d'autre à explorer. Ok. On se croirait presque dans Assassin's Creed. Aussi. La porte est détruite. C'est forcément elle. Aelia, elle s'est enfuie de la chapelle. Elle a détruit tout ça? Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. Il y a un espace derrière. Essayons de passer. On va vraiment passer. Je prends le pire. Ne t'inquiète pas, ça tient depuis des siècles. Je prends le pire. On s'enfonce encore. J'espère qu'on va la retrouver quelque part. On verra bien. Ça me dit bien d'avoir un petit souvenir par là. Ça y est. Rien. Attention en descendant. D'accord. Un glissement de terrain. Si c'est Aelia, elle a tout mis sans dessus dessous. Elle avait peur pour Basilius. Elle avait raison. Moi, je crains le pire, hein. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui m'attend, hein. Il y a ça, c'est pas pour rien, à mon avis, hein. Ça pue. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hé, attendez, ces barils, ils sont remplis de feu grégeois. C'est pas une arme, ça? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Tu penses que ça peut exploser? Dans un baril comme celui-là? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai? Ah, ces murs ont résisté assez longtemps. Mais... Je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là. C'est pour ça qu'il y a la barrière! Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez loin, là? Oui. Baisse bien la tête, surtout. On dirait un nénuphar. Ça a marché. C'était bruyant. Tu vois, ça tient. Allez, venez, tout ira bien. Freestyle, les gars, freestyle. Alors, là, il y a un trou par là. Un établi, par là. Toujours rien d'amélioré, mais c'est une blague. Désespoir. La porte est en piteux état. Jetons un coup d'œil. Là, il y a un truc par là. Attendez voir. Et là, il y a ça. Rien ramasser. Alors, ce petit trou là m'intrigue. Attends, est-ce que si je vais par là, je vais plus loin? Encore un baril? Ouais, je crois que je vais plus loin. Alors attends, parce que j'ai vu un autre baril là-bas. Alors, je vais quand même essayer de le faire exploser.
Ça m'éclate. Incroyable. Non. Regarde, il y a des oiseaux. Une plume ici. Oui, oh. Des oiseaux des grottes. Ça veut dire qu'on n'est pas seul ici. Et on va faire exploser cette porte aussi. Bon, bah, c'est possible de trouver apparemment... C'est possible de trouver apparemment des plumes dans un château, qu'on se le dise. Donc, tout est possible. Ok. Je crois pas qu'il y ait d'autre chose par là. Ah, il y a un petit quelque chose là. Voilà. Attention, madame! Donc en fait, on a bien fait de faire péter ça avant d'aller plus loin. Là, il y a un autre baril. On va juste encore regarder une fois. Ah, il m'en manque. C'est pas grave. Allez, let's go. Je crois. La voie est libre. Woo! On y va. Freestyle. J'ai plus d'oreilles non plus à travers le casque. Quand même fabrique un peu de feu. Des morts. La garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aelia. Elle aimait pas faire de prisonniers. Ils l'ont poussée à bout, j'imagine. Des morts? Ah oui, c'est par terre. Jamais il se passe quoi. Ah ouais. Pardon, monsieur le cadavre. Alors, il y a soit là, soit ça monte. Juste regarder par là. Ces marques sur la porte, c'est son œuvre. Ça a dû s'effondrer derrière elle. Comment on ouvre ça? J'ai envie de te dire qu'on n'ouvre pas. Ah. Un couteau. Ouh, aura-t-on un coffre secret? Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez, il y a un autre baril de feu grégeois sur le chariot. Oh. Ça a l'air dangereux. Tu crois? Non, j'ai plus d'oreilles. Mais à part ça, ça va. Là, une manivelle. Voyons voir. Elle ouvre la herse. La charrette va rouler. Eh bien... C'est parti. C'est ouvert, je crois. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aelia. Parce que je suis... Aussi désespérée qu'elle? Parce que tu n'abandonnes jamais. Ah, bien. Ça, c'est clair. Oh, wow. Comment est-ce possible? C'est quoi cet endroit? Cette porte là-bas va vite nous le dire. Waouh. On devrait pas être ici. Eh ben, on y est. Est-ce que vous pensez qu'il y a un coffre secret dans le coin? Bon, en tout cas, il y a des fragments. Ils ont construit tout ça pour les tenir à l'écart. Quoi? Oui, on peut dégager le passage. Si tu le dis, on commence où? Pardon? On va faire quoi?
Alors, attends. Un coffre par là. Bon, attends, j'imagine que... Bon, ces bras zéro peuvent être déplacés. Montez sur rail, nourri au feu grégeois. L'ordre sait comment y faire avec les rats. Bien, voyons voir. C'est tout ? Mais il y a un coffre là-bas. Oh là 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 là. Avant, à l'autre bout du pays. C'est pas une coïncidence, j'imagine. Non, c'est la macula qui relie tout. Voilà, c'est fait. Ouais, alors attends. Ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que... Est-ce que je peux relancer sur la flèche là-bas? Attends, petite question. Ah non, je peux pas plus. Ok. Essayer de rapprocher tout ce que je peux rapprocher. Ah voilà, je peux rien rapprocher du tout. Et voilà. Tu tiens le coup, Hugo? J'ai peur. C'est normal. Mais ça va aller. Ok. Alors, qu'on analyse un peu. Là, il y a un rail. Et il y a un truc là-bas. Alors, est-ce que ce truc là-bas... Comment on fait pour y aller? En plus, on peut les déplacer, donc c'est génial. Non, je peux rien prendre. Est-ce que j'ose aller là-bas? Ça m'intrigue du coup. Bien, on peut aussi les pousser. Tu m'aides? Bien sûr. Oui. Allez. Les rails se rejoignent. Changeons de direction. Je tente, hein. On est en sécurité. Tant qu'on a ces feux. Oui. Tout ce feu grégeois, je comprends maintenant. Oh, le pont est juste après. Mais cette épave bloque le passage. On peut l'enlever? Je sais pas. Il faudrait voir sous un autre angle. Revenons en arrière. Nous, revenons en arrière. Je vais juste essayer de voir là-bas ce que c'est. Attends, il y a un truc qui brille là-bas. Ouais, alors attends, faut que j'y balance un truc. Vite, vite, vite! Wouh! Oh! Carte de l'endroit. On peut voir les rails et les bras zéro. Pas une carte, un plan. On peut voir les mécanismes. Il y en a d'autres. Là, on dirait le château d'ombrage, Amicia. C'est vrai. C'est la cour avec le système de bras zéro. Et ça, c'est quoi? Encore des plans. Ceux-là ont des noms. Danemark, Constantinople. Et là, on dirait l'Afrique, l'Asie. J'ignorais que l'ordre étendait son influence aussi loin. Ça peut arriver n'importe où. Quoi? La peste. Allons-y. Ah,
Eh ben, on a débloqué un souvenir. Il s'appelle du coup Château d'Aubrage. Et en plus de ça, je vais récupérer un... Ouais, je fais comment pour sortir par contre ? Machin. Et là j'ai vu un truc qui brille derrière. Le problème c'est que je sais pas comment l'amener. Est-ce qu'on peut le pousser là-bas? Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Beau travail. Poussons celui-là. Ouais. Alors, attends. Ça ira comme ça. D'accord. À voir, hein. On tente, hein, qui ne tente rien à rien. C'est tout? On peut pas plus. Sacré énigme. Hey, tu réalises combien de fois ces rats ont essayé de nous attraper? Oui, beaucoup. Mais on a toujours été plus malins qu'eux. Parce que ils ne tiennent pas les uns aux autres. Mais nous, oui. Exactement. Et là, lui, on peut pas le pousser parce que de toute façon, là, c'est cassé. Il n'ira pas plus loin. Cet autre rail là-bas, il mène au pont. Du coup, comment on se débarrasse de cette satanée épave? Laisse-moi voir. Est-ce qu'il y a un truc que je peux... D'épave de chariot. Y a plus qu'à rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous êtes sûr ouais. Que ce porteur est la réponse à vos questions? C'est évident, non? Tout conduit ici. Aelia nous a menés ici. Ces gens sont morts, ils peuvent plus aider personne. Mais c'est tout ce qu'on a. La vérité. Je veux pas connaître la vérité, Amicia. Ah, oh, vous deux. Alors attends, du coup, il faut qu'on l'amène là-bas. Comment tu te sens, Hugo? Je me sens... bizarre. Bizarre comment? Allez, Hugo, on y est presque. Comment tu peux en être sûr? Parce que cet endroit,
Je le sais, c'est tout. Je sais que le porteur est la raison pour laquelle Hugo a rêvé de cette île. Mais surtout, je sais qu'on n'a pas d'autre choix. Très bien, c'était... Non, oublie. Je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'on le fasse. Oui. Ne t'énerve pas. Je suis pas énervée. Je suis... triste. Ne sois pas. Allez, Sophia, on se dépêche. C'est vraiment dégueulasse, hein. Vraiment dégueulasse. Juste. On a réussi. Enfin. Bien joué. Ouais. Continuons d'avancer. Encore des gardes de l'ordre. Je n'arrive pas à croire qu'elle les a affrontés seules. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Elle était engagée corps et âme. Et il était tout pour elle. Et il souffrait, il était en danger. Elle le savait. Tu sais ce que c'était ? Je sens juste la nuit. Comme dans mon rêve. Quand je mourrai. Seigneur, j'espère qu'elle a réussi. Pitié, donnez-nous une piste. Je sais pas vous, mais j'ai la chair d'ampoule. Mais un truc genre violent, quoi. Ça me... Wouh ! Et en même temps, je sens que j'ai affronté quelque chose ou quelqu'un. Je veux qu'on parte. Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. Aelia. La protectrice du porteur. Elle leur en a vraiment fait baver. Mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je veux pas que tu meures. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Hmm ? Je sais ce que ça fait. De se battre seul. Se battre pour ne pas. J'espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois. Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça ? Je veux qu'on parte. Quoi ? Après tout ce qu'on a fait ? Allez. Tu te sens un peu mieux ? Pas trop. Hé, on est tous épuisés. Mais on est ensemble, pas vrai ? Bon. Ouvrons cette porte. Waouh ! J'ai un truc LB ? Ok. J'ai juste exploré un petit peu avant. Il n'y a rien. Elles étaient combien pour manœuvrer cette porte ? Il faut y retourner. Attends, ne stresse pas. On explore d'abord un petit peu. Ah, on peut pas.
d'autres fragments. Ah, elle a réussi à passer comme ça, elle. Un chariot. Qu'est-ce qu'il fait ici? Attends, à s'en occuper. Et là, il y a ça aussi. Ok. J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. Il y a un poteau attaché au chariot. Il doit y avoir une raison. Bah, je vois pas trop. Attends, voir. Est-ce que il faudrait pas pousser ce truc? C'est pour mettre ça où? Tac, tac, tac. Il y a rien, on est d'accord. Ah, j'ai pas vu, il y avait un trou. Occupe-toi de ça, Hugo. Ah, il y avait un petit trou par là. Oui. Un coffre. Ah non. Qu'est-ce que c'est ça? Des vêtements d'enfant. Des jouets. Basilius. C'était à lui. Ça ressemble pas vraiment à une salle de jeu. Ils les lui ont enlevé. Ça veut dire qu'il est tout près. Quelque part derrière cette porte. Une sacrée porte pour un enfant. Pas n'importe quel enfant. On verra bien. Revenons à cette porte. Ah! Donc là, souvenir numéro 2. Dans ce chapitre 11, on a donc trouvé deux souvenirs et une plume. On a un couteau, donc peut-être qu'on va y trouver un coffre. Maintenant, ça m'intrigue, c'est pour ouvrir quoi ce truc? Je te laisse faire, Hugo. Oui. Ah! Quelque chose sort du mur! Je pense que c'est un frein. Sophia, tu peux t'en occuper? D'accord. Oh, ça ne tient, celui-ci, entre les barres du haut et du bas. Sophia, je compte sur toi. C'est parti. Attends, on va essayer de voir comme ça. Ouais. J'ai besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. Mais arrête de revenir vers moi, surtout. Il dit qu'il y a quelque chose qui sort de là-bas. Alors attends. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est comme si c'était fait. Ah.
comprends pas. Attends. C'est bon, arrête. Tout de suite. On va plutôt aller dans celui-là, peut-être que... Celui-là se bloque plus facilement. On peut rester ensemble maintenant? Vas-y, Hugo. D'accord. Ok. Et là? Sophia, tu peux t'en occuper? D'accord. Bon, c'est un début. Ça fait bouger les barres du milieu. Ça fait bouger les barres du milieu. Sophia, je compte sur toi. C'est parti. Cette chose qui sort du sol, c'est une manivelle? Je pense que oui. Est-ce que du coup, c'est avec ça qu'il faudrait que je tire? De fait, passons au reste. Viens, Hugo. S'il te plaît, me laisse plus. Ok, donc là, on a fait une barre. On peut rester ensemble maintenant? Ah, voilà. Donc là, elle bloque rien. Donc il faut qu'on bloque là-bas. Je te laisse faire, Hugo. D'accord. Ouais, alors attends, peut-être qu'on a trouvé la solution. Je pense que c'est bon. On peut lâcher. Ce levier est totalement sorti du sol maintenant. Essayons-le. Ouvrons cette porte, Sophia. Je suis un peu nerveuse. Ça marche. Oui, cette fois on y est. Donc joystick en arrière, hein. Cette odeur. Elle ne devrait pas être ouverte. On peut encore la refermer. Non. Trouvera Basilius. Oh, bonté divine. J'aime pas du tout ce que je vois là. Moi non plus. Plus profond. On peut encore partir, Amicia. Non, non, non. On franchira cette porte tous ensemble. On y est. Si tu veux faire demi-tour, Sophia, c'est le moment. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Moi, je le sens pas non plus, hein, honnêtement. Hein, donc, je vais être très claire. Je le sens pas. Qu'est-ce qu'on respire? Un hydra. Mais l'air est plus épais. Il est là depuis longtemps. Depuis Basilius? Je pense... Oh, c'est dégueulasse. Je c'est dégueulasse. Me sens bizarre. C'est ta tête. Il y a du bruit. Courage. C'est quoi ça? C'est pas très accueillant. Allons voir. Je suis pas fan, hein. Soyez prêts à courir, au cas où. C'est un pont. Cet endroit, c'est une foutue forteresse souterraine. On continue. Ça a
l'air d'aller jusqu'à l'autre bout. Mais il en manque une partie. Oui. Regardez, ici, il y a un passage qui descend. Bon, il est raide, mais... Je vois. Vas-y. Ça pourrait faire l'affaire. Oh, j'ai pas envie. Je passe devant. Fais attention. Ah ouais. Par là. En fait, c'est le seul truc qu'il y a. Ah non, sinon il y a là. Ok. On va aller par là. Ok, je peux rien prendre. Ah bah ça revient au même. Est-ce que j'ose dire que je suis pas fan du tout? Ah mais je peux même pas aller par là non plus. Ah ouais attends, mais comment je fais? Bon, comment je vais m'y prendre pour les rejoindre? Oh mais ces chaînes, des contrepoids, ils soulèvent les parties du pont. Ouais. Le poids, il soulève la contrepartie du pont. Ah, attends, voilà. Ah ouais? Ah bah non, toujours pas. Ok. Hey, je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché! Ce sont ces chaînes! Elles contrôlent le pont! Il manque une autre partie! Par là! Très bien. Je vais continuer et voir ce que je peux y faire. On t'attendra! Bah ouais, attendez-moi. Faut qu'à faire. Il va lui arriver quelque chose, Sophia. Tout va bien se passer. C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connais. C'est vrai. Mais elle est toute seule et ils sont beaucoup. Tu la connais. Elle a déjà fait ça plein de fois, non? Elle est tenace, bien plus que. Oui. C'est terrifiant tout ça. Moi aussi je suis terrifiée. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas assez fort, pas vrai? T'es vraiment terrifié? Oui. Mais que ça reste entre nous. Juré. Merci, Sophia. Tu peux balancer du feu comme ça? Juste, je tombe. Ouais, je suis obligée de lancer un pot. Hein. Pas le choix. Dans le prochain, il est où? Alors attends, je vais le balancer. Est-ce que je peux mettre le feu à la flèche?
pas du tout. Donc, je vais prendre ça. Prendre ça. Faire l'aller-retour. Je vais récupérer la flèche. Et je vais lâcher ça. Et puis, on va relancer la flèche par là. Voilà, je vais prendre mon bout de bois. Ah bah attends, je vais relâcher mon bout de bois. Je vais lancer là. Très clairement, j'ai plus de feu. Je vais récupérer à nouveau mon bout de bois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Récupérer ma flèche. On profite, hein. Récupérer ma flèche. Wouhouhou, de justesse. De justesse. Qu'on se dise. Ensuite, je peux monter là. Bon, bah, c'est tout en fait. Amicia, comment tu t'en sors? À merveille! Je me sens encerclée. T'y habitues pas trop? Je me sens bien. Bien. T'es en sécurité? Pour l'instant. Je t'avais dit qu'elle y arriverait. Ah ouais. Des voix. Que ce soit facile. Oh, il ne tient qu'à un fil. Seigneur, j'espère que je ne me suis pas trompée. Et donc là, nous avons notre fameux coffre secret. Avec le couteau que nous avons récupéré un peu plus tôt dans la partie des flambeaux sur un des cadavres. Oh, sur un cadavre. Allez, on y va! Magnifique, magnifique, magnifique. On va voir si on peut crafter quelque chose là maintenant, c'est bon. Alors, j'ai toujours voulu améliorer ma fronde. Donc, c'est parti. Et voilà. Donc, coffre secret numéro 9. Il nous en manque plus qu'un. On va pouvoir allumer un feu. Non, hein.
passage. On l'a entouré avec une corde pour que tu l'attrapes. Parfait. Recule. Il arrive. Je le vois. Allez, vas-y. Tire, jeunesse. Mais les cocos, moi j'ai plus de... Ah purée. J'ai plus de peau moi. On va voir si j'en en mets un là. Voilà, super. Ouais, puis ça sert à rien que je récupère ma flèche, je vais mourir. On y retourne. Maintenant, allez, go. Trouve Basilius. Trouve tout ce qu'il y a à trouver et sors d'ici. Et il vivra. Je veux juste faire le petit coffre là. Je peux aller là-bas ? Oh non. Ah ouais, sinon ce serait trop facile. Hein. Ouais, puis je peux même plus le récupérer. Bon bah tant pis. Fasse une pause. Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Alors, donc, du coup, comme je l'ai dit, on a récupéré un coffre secret, donc il nous en manque plus qu'un. On y est, on y est. On a récupéré deux souvenirs. On est proche de la fin aussi. Une plume. Je crois qu'il nous en manque plus qu'une, d'ailleurs, de plume. Et on sera tout bon, hein. Magnifique. On avance, on avance. Triste. J'ai peur, Amicia. Je sais, on a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est... Basilius ? Peut-être. C'est très lourd. J'ai peur. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche. La fin du pont. Il est temps de voir où ça mène. Oh ! Êtes-vous ready ? Allez, go ! On va pas faire demi-tour, si ? Non, je vérifie juste par où sortir. Finissons ce qu'on est venu faire. Pardon. C'était par là. Oh, cette odeur, c'est étouffant. Oh. Non, c'est mal. C'est très mal. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là, Amicia. Je veux pas. Mais oh, Seigneur. Il le faut. Moi, je crains le pire. Hein. Oh. Ça me dit rien qui vaille. Seigneur, on dirait une cathédrale. Ils ont construit ça pour lui. Alors, il est en bas ? Oui. Au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre. Et voilà ce qui est arrivé. Et alors ? Il s'est passé quoi ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je veux pas savoir. Il le faut. Il t'a amené ici. Ton héritage. Je veux pas d'héritage. Je veux être normale. C'est clair. Ça me met dans tous mes états, mais genre chair d'ampoule quoi. Hugo, pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux, mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la ville rouge aussi.
Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Où est-ce que ça fait ? C'est de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête ! On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. À quoi ça sert ? Si je finis encore par tout gâcher ? Arrête ! Tu dois me faire confiance. Moi j'ai envie de rentrer aussi, hein. Je peux pas. Amicia, Sophia. Petit trésor. Je trouve un truc qui bouge là-bas. Non, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? Amicia, viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Je suis désolée que tu doives subir ça. J'ai un truc qui bouge là. Toi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. Arrête. Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Ah non, 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 moi je veux pas. Hein. Allez. Oh non, 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 non. C'est un mort-vivant. C'est un zombie. Est-ce que c'est... le porteur? Ils l'ont enchaîné, le pauvre. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de lui, de son pouvoir. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi ? La peste de Justinien. Il était triste. Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin, une fiole, quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia. Oh, je me rends. Elle a échoué. Amicia. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai... Tu ne vas pas mourir. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Ils n'auraient pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la Macula et il les a tous condamnés. Il a eu raison. Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots, il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir. Cours, cours, cours! Mais vite! Bougez! À droite! Ils veulent pas que je parte! Ils ne t'auront pas! Économise ton souffle! Reste avec moi! Ça craint du boudin. Sophia ! Sur ta gauche, la porte cassée. Où tiens, Hugo ? Tout va bientôt s'effondrer. Ouh ! Ils sont très en colère. Seigneur Lé, Hugo ! Seigneur, il ne ralentit pas. Courez, courez ! On essaye, ils sont sur nos talons.
Dites-moi qui sont restés là-dedans. Je crois que ça me stresse. Personne n'est blessé. Hugo, c'était trop horrible. Oui, je suis désolée que tu aies vu ça. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui, mais toi tu vas vivre. C'est ça le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants qu'eux. Et j'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute. Il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi. Pour qui ça compte vraiment. Qui veulent que tu aies une belle vie. Des amis. Comme moi. Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Aie confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chez-nous. Allez, quittons cette île. On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant. Dites-moi qu'on a fini avec les rats, là, dans le chapitre. Ok. Eh ben, chapitre 11, intéressant. Qui, moi, personnellement, m'a donné la chair de poule, je sais pas vous, hein, mais je suis pas indemne de ce chapitre 11. On en apprend un petit peu plus, effectivement, sur le premier porteur et sur ce qui est arrivé à sa protectrice. Et voilà, donc un peu plus d'énigmes, là, pour résoudre la traversée des rats. Donc il faut vraiment bien réfléchir et prendre le temps de... mais voilà, chapitre en tout cas très intéressant. En tout cas, moi je vais vous laisser, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube, à me mettre aussi un pouce sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver aussi sur Twitter. Et on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo, la suite, hein, n'est-ce pas ? D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao !